Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les représentants permanents, chers amis, nous sommes à un mois de l'ouverture de la conférence de Paris sur le climat et nous avons pris l'initiative avec nos amis du Pérou, puisque nous travaillons main dans la main pour préparer cette échéance, nous avons pris l'initiative de vous réunir avec l'aide du secrétaire général des Nations Unies dont je veux saluer une fois de plus l'engagement extrêmement important sur ce sujet et avec l'appui aussi du président de l'Assemblée générale. En tant que futur président de la COP 21, j'ai souhaité que cette présidence fasse preuve d'une totale transparence et c'est la raison de cette réunion. Je vais être très bref et vous donner en quelques mots mon appréciation sur l'état actuel des négociations. Il y a quelques jours, vous le savez, a eu lieu à Bonn la dernière session des négociations du groupe qu'on appelle ADP, qui est chargé de rédiger le projet d'accord. Je me suis rendu à cette réunion en début de session pour m'adresser à l'ensemble des négociateurs et pour leur dire mon soutien et leur demander de se mobiliser. Les débuts de ces réunions ont été assez mouvementés. Beaucoup de partis ont jugé que le texte qui était proposé n'était pas assez équilibré, mais finalement les tensions initiales ont été surmontées et les négociateurs se sont mis d'accord sur un nouveau projet qui est un peu long, qui comporte encore beaucoup d'options, mais il va nous falloir trancher. Et en tout cas, le texte a le mérite d'être accepté désormais par l'ensemble des partis. Il reste qu'il y a beaucoup de travail encore à accomplir dans les quelques semaines qui nous restent. Et plusieurs étapes importantes sont prévues pour faire avancer les choses. Entre le 8 et le 10 novembre, euh, j'organiserai et je présiderai à Paris avec mon homologue et ami péruvien Manuel Pulgar Vidal une pré-cop. Il y aura environ 80 ministres qui seront présents et nous essayerons d'avancer dans la recherche de compromis, puisqu'il ne peut y avoir de succès à Paris que si nous sommes ambitieux, mais euh, si nous savons faire des compromis. Nous n'allons pas euh, renégocier au sens propre le texte de Bonn, ce n'est pas notre mandat. Mais en tant que ministre, nous allons chercher les bonnes formules et donner les impulsions politiques pour faciliter l'accord final. Nous aurons ensuite différentes étapes, euh, la réunion euh, du G20 euh, en Turquie, beaucoup d'autres réunions, et tout cela nous mènera au 30 novembre, qui est la date d'ouverture de la conférence de Paris, et nous avons voulu avec... Euh, le président de la République française et euh, le secrétaire général des Nations unies, que cette journée du 30 novembre soit celle de l'impulsion politique au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et à l'heure où je vous parle, euh, j'ai reçu euh, les réponses positives de près de 80 déjà chefs d'État et de gouvernement euh, qui vont s'exprimer. L'objectif est clair c'est donner une impulsion politique au début de la COP 21. Pour qu'ensuite le travail soit fait par les négociateurs et les ministres, et que, au soir du 11 décembre, je puisse prononcer ces six mots, l'accord de Paris est adopté. Nous n'en sommes pas là, et le travail est très difficile, nous le savons tous. Mais nous savons aussi qu'un succès à Paris est indispensable, parce que, comme le dit souvent euh, le secrétaire général des Nations Unies, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Une séquence extrêmement positive a été ouverte cette année, d'abord à Addis-Abeba, ensuite New York, et maintenant, il faut que Paris couronne cette année du 70e anniversaire. Si nous parvenons à ce résultat, et nous devons y parvenir. Alors, le développement durable pourra devenir une réalité partagée. Bref, j'espère que l'esprit de New York va souffler aussi à Paris. Je compte sur vous. Et je vous souhaite une excellente réunion. Merci.